Les notions de bienveillance et d'hospitalité me semblent être des notions qui dessinent, pourrait-on dire, une contractualité du présent. On est enfermé dans un présent qui est de plus en plus structuré parce que quelqu'un comme Achille Mbembe a appelé dernièrement des politiques de l'inimitié, c'est-à-dire une référence à la sécurité, des pratiques de haine des autres, des pratiques d'enfermement plutôt que des pratiques d'ouverture. Et il me semble que reprendre des notions plutôt anciennes et plutôt liées à l'éthique, comme les notions de bienveillance et d'hospitalité, dessinent vraiment une contractualité qui nous permettra peut-être de penser un autre futur. Et ces notions, en même temps, qui ont un sens avant tout éthique, la bienveillance, c'est veiller au bien, l'hospitalité, c'est précisément le fait d'ouvrir sa porte à autrui, me semblent être des notions pour lesquelles on doit penser aussi à un horizon politique. Veiller au bien, ça a aussi un sens politique. Après tout, Snowden, c'est un veilleur au nom du bien. De la même manière, l'hospitalité doit avoir un sens politique. Aujourd'hui, l'hospitalité publique face à la crise des migrants, c'est quelque chose qui est une question politique fondamentale.